au lendemain de la séquence polémique pendant laquelle Théo Audace a piégé Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, l'équipe de TPMP est revenue sur le sujet, dans l'émission du jeudi 5 octobre. Outré par l'initiative du jeune influenceur, Guillaume Janton n'a pas mâché ses mots. Si est-il une séquence à laquelle personne ne s'attendait n'en touche pas à mon poste. Ce mercredi 4 octobre, un spectateur de l'émission a pris la parole au micro, pour évoquer sa présumée hospitalisation de plusieurs mois, pendant laquelle il aurait réussi à garder la tête hors de l'eau grâce à TPMP. Il y a un an j'ai eu un accident très grave qui m'a complètement paralysé, mais grâce à vous j'ai pu survivre. Vous m'avez complètement aidé à guérir. Tous les jours à l'hôpital je voyais votre émission, et ça me donnait la force de continuer, a-t-il expliqué, muni de béquilles. Alors que tout le plateau, y compris Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, se sont émus de ce témoignage fort, le jeune homme a finalement lancé, un jour, après plusieurs mois d'entraînement, j'ai enfin pu me mettre debout, marcher et, enfin éteindre cette émission de merde tout seul. Un happening qui n'a pas plu à Cyril Hanouna, qui a invité le spectateur en question à quitter les lieux, lui qui était également accompagné de trois amis, présents dans le public. L'auteur de cette séquence n'est autre que l'influenceur aux millions d'abonnés sur TikTok, Théo Audace. Je trouve que la blague était complètement ratée au lendemain de cette scène improbable. Cyril Hanouna est revenu sur la polémique, en laissant ses chroniqueurs s'exprimer. Et s'il y en a bien un que le happening n'a pas fait rire, si est-il Guillaume Janton, qui n'a pas mâché ses mots pour qualifier l'initiative de l'influenceur. Je trouve ça nul, si est-il Greg Guillotin d'AliExpress, si est-il pas drôle, si est-il raté. Se moquer du handicap, si est-il nul. Je trouve que la blague était complètement ratée. Prendre en otage une émission pour ça, abuser de votre gentillesse, si est-il n'importe quoi, a-t-il asséné. Puis de poursuivre, ce que je n'aime pas en plus, si est-il qu'il critique l'émission. À la rigueur si tu veux passer à la télé, fais un truc drôle. Et si tu veux qu'on t'invite dans l'émission, fais un truc pour être invité mais pour les bonnes raisons, ne fais pas de la merde comme ça. Ça nous a tout mis mal à l'aise. Des propos corroborés par Gilles Verdet, qui a déploré que l'influenceur ait joué avec les émotions des gens présents sur le plateau. Diaporama voir le diaporama.